fait des bêtises. Choupi joue au ballon dans le jardin. Regarde comment je tire loin. Mais bim, le ballon atterrit parmi les jolies fleurs de maman. Papa n'est pas content du tout. Oh non, Choupi, tu as écrasé toutes les fleurs. Va plutôt jouer à l'intérieur. Choupi entre dans le bureau. Je peux t'aider, dit Choupi. Choupi, tu as effacé tout mon texte. Je suis très fâchée. Va jouer ailleurs. Choupi monte voir sa petite sœur. Réveille-toi, Fanny. Choupi s'amuse bien, mais quand maman arrive, elle est catastrophée. Choupi, qu'est-ce que tu as fait à Fanny? Tu es vraiment insupportable aujourd'hui. Pour se faire pardonner, Choupi décide de ranger un peu. Alors, peluche, c'est l'heure du bain. Plouf, plouf, papa entend du bruit dans la salle de bain. Il est très, très en colère. Choupi, j'en ai assez. Allez, file, et je ne veux plus t'entendre. Un peu plus tard, maman cherche Choupi pour le dîner. Mais où est-il donc passé? C'est bien calme, s'étonne papa. Choupi est sûrement en train de préparer une nouvelle bêtise. Vite, papa et maman courent dans la chambre de Choupi. Mais... Regardez, je vous ai fait un beau dessin. Bravo Choupi, c'est tellement mieux quand tu es sage. Et voilà les enfants, c'était Choupi fait des bêtises, lu par maman et sa petite fille. À bientôt les enfants.